Troubadour, pirates, seigneurs, toute une foule est venue pour festoyer ensemble à Ribeauvillé au centre-ville. Les rues sont pleines et on peut y apercevoir d'étranges créatures qui passent leur chemin. Le thème de cette année était fort et commerce. Et dans ce thème, nous avons notre association, les Alliages Shooter, comme thème de char, les moines viticulteurs. D'où le thème des moines qui représente aussi le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge et le commerce du vin, d'où les vignes et les moines qui font le vin. La joie et la bonne humeur envahissent la place. Mais qu'en est-il de l'histoire de cette fête ? Oui, alors la légende qui date depuis 600 ans, elle nous disait que le seigneur des Ribeaupierres, il descendait avec son destrier pour venir au village, il descendait de son château et il a rencontré un ménétrier qui était très triste, qui pleurait parce qu'il avait brisé son instrument de musique qui était en fait son gagne-pain. Et le seigneur, en bon seigneur, lui a lancé sa bourse, il a dit « Voilà, vas-y, achète-toi un nouvel instrument et à l'occasion, tu viens me rendre l'aubade au château. » Et il avait apprécié ça, il est redescendu au village, il a rameuté tous ses jongleurs, tous ses ménestrels, ses saltimbanques, et ils sont venus faire l'aubade au seigneur qui était bien sûr ravi. Et depuis, la tradition veut que tous les premiers dimanches du mois de septembre, on perpétue un peu cette tradition, et voilà le pourquoi de cette fête. Au courant de cet après-midi, 27 chars et orchestres ont défilé les rues. Il faut noter que l'origine de la plupart des groupes de musique sont exprès venus d'Allemagne et qu'il n'y avait qu'un seul groupe français sur les 11 en tout. Mais que cherchent les visiteurs exactement ici ? Déjà, je trouve que l'ambiance, quand on rentre dans la ville, on ressent vraiment l'ambiance médiévale. Et il y a une très bonne ambiance, on sent que les gens sont très investis dans la fête, surtout les gens de Ribeauvillé. Bon, c'est très coloré, il y a des gens qui viennent un peu partout, c'est très bien, quoi. Voilà.